débat sur les 35 heures. Hier, Ernest Antoine Célière a essayé de convaincre Lionel Jospin que les 35 heures sont une aberration. C'est vrai que le patron des patrons ne manque pas d'arguments, regardez. Monsieur Jospin, les 35 heures, c'est une aberration. C'est inapplicable. La France ne s'en relèvera pas. Oui, monsieur Blum, les congés payés, c'est une aberration. Ça ne peut pas fonctionner. Vous allez mettre la France à genoux. Monsieur le révolutionnaire, l'abolition des privilèges, c'est une utopie. Ça ne marchera pas. Notre France ne s'en remettra jamais. Jamais. Mais enfin, Robin, prendre l'argent des riches pour le donner aux pauvres. Mais Robin, ça ne peut pas marcher. Allons, diminuer le nombre de coups de fouet par esclave. Mais Jules, tu n'y penses pas. Pourquoi pas les affranchir aussi? Ou même payer les gens qui travaillent. Ça ne peut pas marcher, allons. Tu veux foutre l'Empire par terre? Qu'est-ce qu'il a dit? Que ça ne marchera jamais et que la France ne s'en relèvera pas. Salut, bonhomme. Alors Bernard, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous réclamez 7,5 milliards sur la plus-value qu'a réalisé le Crédit Lyonnais en revendant Adidas. Bah évidemment, c'est moi qui ai redressé la boutique. Vous êtes sûr? Quand vous avez quitté Adidas, il y avait un trou de 510 millions de francs. Ouais, je dis pas, mais j'avais tout mis en place pour redresser la boîte. La délocalisation, c'est moi qui ai eu l'idée. Faire fabriquer leurs pompes de merde chez les crèves la dalle, c'est moi, ça. C'est normal qu'ils me donnent la pièce. Le carton que fait Adidas maintenant, c'est grâce à moi. Faut voir quand je suis arrivé. Adidas, c'était ringard. Ils avaient deux produits leaders. Un, le flottant moule bure dans l'icra qui gratte. Personne peut porter ça. À part trois balles et Marc Blondel, hein. Le premier pour montrer ses couilles et l'autre pour descendre ses poubelles. Et l'autre produit, c'est le survêt bleu électrique avec l'élastique sous le pied. Celui que Robert Humet pour aller chez Monsieur Meuble samedi après-midi. Oh Bernard, bah quoi? J'ai repositionné le produit, ça se paye. Vous avez amélioré la qualité? Oh, rien du tout, j'ai amélioré la pub. C'est toujours la même merde, mais le blaireau a l'impression d'être branché. Et le plouc de Sergi Pontoise, celui qui colle un caouet des Adidas, il se prend pour un rappeur du Bronx. Moi j'aime bien la culture rap, tu peux vendre n'importe quelle merde. Après, ils se la donnent avec leur sweat à capuche et leur survêt trop grand. Ça marche chaloupé pour aller faire ses courses à Intermarché. Hé, hey, ici, réveille-toi, t'es au rayon surgelé. Sans doute, Bernard, mais de là à réclamer 7,5 milliards au Crédit Lyonnais... Attends, ils m'ont suffisamment niqué, hein. J'ai passé là, je vais me faire rempoter le bambou gratos, hein. Bernard, arrêtez. Ah, bah c'est le retour de la burne, bonhomme, hein. Je suis gonflé à bloc. Toyota va donc s'installer dans le nord de la France. Hiroshi Okuda, le président de la firme, a été accueilli comme un bienfaiteur. Merci, vraiment. Petit four, champagne, subvention. Vous voulez qu'on monte un peu le chauffage? Non, merci, tout bien. Ah, c'est gentil de venir vous installer chez nous, hein? Non, c'est normal que les pays industrialisés aident un peu les pays du tiers-monde. Alors bien sûr, cette croissance se ressent surtout dans les milieux financiers. On retrouve le petit pays des gens heureux, Jean-Pierre Gaillard, à la Bourse de Paris. Eh oui Patrick, ici la tendance est à l'euphorie. Le CAC 40 devrait bientôt passer la barre des 3300 points, nouveau record historique. Les valeurs françaises sont toutes à la hausse. Valeo 492 plus 1,23, Thomson 1000 plus 3,95, Esso 559 plus 5,87, Consortium du Tripot 1234 plus 8,95, Général des Eaux 905 plus... Monsieur Gaillard? Jean-Pierre? Excusez-moi, j'ai joui. Monsieur Gaillard, je vous remercie. Économie, il y a toujours 6 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté en France. Alors, qu'est-ce que veut dire exactement la croissance repart? On retrouve le petit pays des gens heureux, Jean-Pierre Gaillard à la Bourse de Paris. Eh bien, c'est vrai, la reprise est là. Le CAC 40 est intenable puisqu'il affichait au début de séance un nouveau record à 3446, le 15e depuis le début de l'année. Bien sûr, le marché profite du contexte extrêmement favorable. Taux bas, abondance des liquidités et puis surtout la confiance. Lionel Jospin a eu l'intelligence de ne pas redistribuer les bénéfices de la croissance aux pauvres. Du coup, le marché se sent soutenu, le marché se sent bien, il a la belle vie. Et ce soir à la clôture, pour fêter ça, le marché plie les gaules et il va aux putes. Monsieur Gaillard, je vous remercie. Le libéralisme, c'est la liberté. La liberté pour chacun d'entreprendre, de créer, de devenir son propre patron, comme vous.
Ouais, ouais, je suis mon propre patron. Mais bon... Pas de fausse modestie. Ce que vous êtes devenu grâce au libéralisme, n'importe qui peut le devenir. Ah, ça oui, oui. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous a donné le goût de la réussite dans l'entreprise? Bah, ça faisait 2 ans que j'étais en fin de droit à Cédic. J'en étais sûr. C'est la preuve que la suppression des aides sociales donne le goût d'entreprendre. Ah non, je touchais encore le RMI, mais avec une femme, 2 enfants, j'y arrivais pas. Eh oui, tandis que maintenant... Bah, j'y arrive pas non plus, mais j'ai pas le choix. Mais vous êtes votre propre patron, c'est ça l'important, montez sa boîte. Bah, ça va bientôt faire 5 ans que je fais ça quand même. Félicitations! Savez-vous que 76% des jeunes entreprises périclitent après leur première année? Bravo! Merci. Sans rien révéler qui puisse nuire à votre position sur le marché, vous avez certainement d'autres projets pour votre boîte. Diversification, des fusions-acquisitions, l'international peut-être. L'autre chaussure. Attentif aux clients, hein? C'est bien. Oui, oui. Je vous dois combien, monsieur le chef d'entreprise? On donne ce qu'on veut. Eh bien, voilà 5 francs. Attendez, c'est rare ça! 5 balles! S'il vous plaît, je vous rappelle que le libéralisme, c'est aussi les bienfaits de la concurrence. Et il y a plein d'autres entreprises qui sont prêtes à me cirer les chaussures pour beaucoup moins que ça. Il faut s'adapter au marché ou disparaître. Mais t'es un enfoiré, toi! Modérez-vous! Vous allez perdre un client. Car pour ces 5 francs, je vous ai aussi fourni un conseil. L'un dans l'autre, vous faites une affaire. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Bonjour Patrick, eh bien aujourd'hui je suis avec Monsieur Gruic. Monsieur Gruic, vous êtes viande de porc. Voilà, mon père était viande de porc, mon grand-père était viande de porc, je suis viande de porc, mes enfants seront viande de porc. Une entreprise familiale donc, et aujourd'hui vous êtes inquiet. Bah ouais, c'est plus possible. Nous, viande de porc, on nous étouffe. Encore hier, ma sœur est partie à 5,64 du kilo. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Pourtant, on est compétitif. Regardez mes travers, hein. Et le jarret, il est pas beau mon jarret de porc? Et vous verriez mes pieds de porc? Alors hein, 5,64 du kilo, merde. C'est un peu du gâchis. Alors quelle stratégie allez-vous mettre en œuvre pour contrer la morosité du marché? Bah, je sais pas moi. On est des artisans. On va pas se mettre du persil dans les oreilles et des pruneaux dans le cul pour être attractif. Moi, ce que je crois, c'est qu'on veut notre mort. C'est tout. C'est à craindre. Monsieur Gruic, je vous remercie. On commence par le contrat de Jean-Pierre Raffarin, un contrat qu'il appelle social, qui met le MEDEF dans l'embarras. Ouh là 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 là, votre contrat social ne favorise pas les entreprises. Ah ben oui, mais nous sommes un gouvernement très social. L'aménagement des 35 heures ne va pas assez loin. Oui, mais on doit penser aux travailleurs avant tout. Oh, je suis très déçu. Je pleure. Ouin, ouin, ouin. Désolé, mais nous, on fait dans le social. Cette année, ils ramasseront rien au César, en tout cas. Voilà, avant de recevoir François Fillon, focus sur une entreprise américaine dont le succès ne se dément pas. Vous vous souvenez de iPad 1? Il y a un an, c'était une révolution. Maintenant, c'est complètement dépassé. Car voici iPad 2. iPad 2 est une révolution. Il est plus fin, il est plus léger. Il existe dans plusieurs couleurs, a une plus grosse autonomie et surtout, il possède 2 caméras en plus. Une à l'avant et une à l'arrière. Bref, c'est une révolution. Et attention, iPad 2 coûte le même prix que iPad 1. Alors bien sûr, vous allez me demander, comment est-ce possible? Comment, avec toute cette technologie en plus, nous avons pu faire chuter les coûts de production? Eh bien, c'est très simple. Vous vous souvenez de l'ail chinois 1? Il y a un an, c'était une révolution. Mais maintenant, c'est complètement dépassé. Car je vous présente l'ail chinois 2. Il est plus petit, 50 cm de moins, plus fin et surtout plus léger. Car il ne se nourrit que d'un demi-bol de riz par jour. Et en plus, l'ail chinois 2 possède des applications qu'aucun autre ouvrier dans le monde ne possède. Il a une autonomie exceptionnelle. Il peut travailler 20 heures par jour et grâce à sa structure souple, il peut dormir à même le sol de l'usine grâce à sa housse. Bref, ceci est une révolution. Et attention, l'ail chinois 2 ne coûte que 9 $ par mois. Apple. Think different.
Je vais aux toilettes, chérie. Encore? Oui, j'ai un peu mal au ventre. Frappé quand même. Pourquoi? Tu faisais quoi? Rien. Mais la croissance n'est pas prête d'augmenter. Manuel, ton avis? Hein? Oui, bien sûr. Tu m'inquiètes, hein? Il est tout le temps sur son iPad. Ça va mal avec sa femme, tu penses? Je sais pas, mais c'est gênant à force de le voir tout le temps en train de mater des vidéos. Attends, regarde ça. Quoi? Il a oublié son iPad. Oh, tu crois que... Oh non, on peut pas faire ça. Moi, ça me dérange pas de regarder des femmes toutes nues. Ici, nous installerons la comptabilité de l'entreprise et derrière ce mur se trouvera le bureau de la DRH. Oh non, mais c'est pas vrai. Je suis un vrai malade. Et regarde celle-là. Je suis heureux de vous convier à l'ouverture du département recherche et développement au sein de notre entreprise. C'est que des vidéos sur des entreprises? Oui, je crois que j'aurais préféré qu'ils regardent du porno. Après avoir visité les usines Continental à Clairoy et Technicolor à Angers, notre jury composé de Laurence Parisot du MEDEF, Lakshmi Mittal, patron du groupe Mittal, et Philippe Varin de PSA, partent aujourd'hui en Savoie à la rencontre de Michel, dont l'entreprise n'est vraiment pas comme les autres. Bon, déjà la porte est ouverte. C'est très étonnant. Bonjour. Ah, bonjour. Bienvenue dans mon usine. Bonjour, bonjour. Je vais vous faire visiter. Allons-y. C'est quoi ce bruit? Des machines. Hein? Vous avez des machines? Oui. Épaté par cette découverte incroyable, notre jury continue sa visite. Et il n'est pas au bout de ses surprises. Ah, très bonne idée d'avoir mis des faux ouvriers pour décorer. Ce sont des vrais. Faut avouer que découvrir deux ouvriers français dans une usine en 2013, ça valait la peine de faire 500 km pour voir ça. Même si c'est un peu désuet. En tout cas, je verrai pas ça chez moi. Ils ne sont pas français, quand même. Si, pourquoi? On peut les toucher? Allez-y. C'est mou. Au départ, j'ai cru que c'était des mannequins. Et puis, quand je me suis approché, j'ai vu qu'ils étaient vivants. Ils étaient moches et sentaient mauvais. C'est dingue, hein? Des ouvriers dans une usine en France. Vous avez trouvé dans une brocante? Mais non, ça fait 40 ans qu'ils travaillent ici. Incroyable. Et vous avez vu ce qu'ils fabriquent? Des couteaux. En France. Décidément, le jury n'en revient pas. L'usine de Michel est encore plus extraordinaire que ce qu'ils imaginaient. Là, on a vraiment la perle rare. Ah oui, c'est vraiment l'usine la plus originale de France. Oh, c'était mignon comme tout là-dedans. J'en étais presque jaloux. Du coup, j'ai racheté l'usine, j'ai viré tout le monde et j'ai envoyé les machines en Asie. Mon usine est la plus originale de France. Pas sûr qu'ils aient assez de candidats pour faire une saison 3. Bienvenue à Splash, le grand plongeon. Nous accueillons tout de suite notre premier candidat. Bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Robert Dubois, je suis comptable chez Orange et franchement, je suis au bout du rouleau. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Soignez bien votre style, Robert, le jury vous observe. Bonjour le jury. Salut. Avec nous ce soir, nous avons Lakshmi Mittal, patron du groupe Mittal, Philippe Varin de Peugeot et Chris Wiebacher de Sanofi. On laisse Robert se concentrer. Alors le jury, vous avez été séduit par la prestation de Robert? C'est correct, mais il n'y a rien de folichon. Hein. Ouais, c'est moyen même. Bah, sachant qu'il n'y a qu'un seul saut, il aurait pu s'appliquer un peu. Hein. Nous accueillons un nouveau candidat. Comment vous appelez-vous? Gérard Drouet. Je suis ouvrier chez Peugeot et j'ai l'air d'être licencié après 30 ans à la chaîne.
C'est formidable. Vous allez pouvoir sauter devant votre ancien patron. Bonne chance, Patrick. C'est Gérard. Ouais, on s'en fout. Bah voilà, une vrille. Enfin, je suis un ouvrier qui fait un effort. Bravo! On applaudit Gérard! Tout de suite, on passe au duo avec un ouvrier de Peugeot et un ouvrier de Renault qui vont sauter main dans la main. Oh vache, c'est beau, hein? Splash, le grand plongeon. Vous aussi en temps de crise, faites le grand saut. Isogar, tout le monde est clean ? Oui. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est Pierre Gattaz, le grand patron. Et alors ? Chut. Il s'est arrêté. Il renifle. Ah. Qui c'est qui est pas clean ? Toi, le stagiaire, t'es de gauche ? T'es syndiqué ? T'as été fonctionnaire ? Non, je suis chez FO. Quoi ? Mais il le sent à 15 km, ça! Vite, faites-le sortir! Vite, cours, il ne revient jamais! Il est toujours là, hein? Qui d'autre n'est pas clean? Je sais! Un délégué de province m'a ramené un code du travail! Jette-le! Il dort pas, hein? Quelqu'un cache quelque chose. Moi, j'ai un fonctionnaire dans ma famille, mais il peut pas sentir ça, quand même. Il peut tout sentir. Bonjour, monsieur Gattaz. Ça sent le fonctionnaire. Ma mère était prof, mais elle est morte. Bien, et il y a autre chose. Oh. Ok, c'est moi. C'est moi, j'ai posé un RTT. Pardon, je sais pas ce qui m'a pris. Pardon. Viré. Pierre Gattaz, patron du MEDEF. Et vous, êtes-vous sûr d'être clean ? Vous imaginez maintenant dans toutes les usines, grâce aux lois Macron, les patrons vont aller voir leurs salariés. Et vas-y, je te fais une Pierre Gap, Yeah. La bouche à gauche, la bouche à droite, et la bouche en haut. Ouais. Come on. Ah, la vôtre, elle n'est pas du bon côté. Je viens juste poser mon congé maternité. Trop tard, vous êtes viré. Non. Mais quel est le problème ? Moi, c'est CDI, c'est pas lui. Ah, toi, c'est CDI ? Bah oui, bien sûr. Toi, c'est qui, toi ? Bah, CDD, évidemment. Bah oui, lui, c'est CDD et moi, c'est CDI. Mais pas du tout ! Vous, c'est Paul. Paul qui ? Paul Emploi ! Allez, dehors ! Vous êtes viré ! Pierre Gattaz, le type du gouvernement featuring le MEDEF. Mais c'est pas possible. Qui veut nous faire bosser le dimanche ? Pierre Gattaz.